que ce soit. Si maintenant c'est elle qui décide de porter ce foulard-là, eh bien... Arrivons au mot d'empathie. Moi, j'ai envie de dire à cette femme-là qu'elle se penche sur le sort de ses congénères, de ses consœurs, femmes, dans les pays où elles sont châtiées, elles sont chicotées, elles sont fouettées parce qu'elles ne portent pas le foulard. Et j'ai envie de lui dire aussi de se poser la question, pourquoi est-ce que les contraintes vestimentaires masculines en islam, on n'en entend jamais parler? Vous savez que l'islam interdit aux messieurs de porter la soie, de porter l'or et l'argent, et de montrer toute la partie qui va du haut du nombril jusqu'au bas des genoux. Pourtant, on n'a pas quelque chose qui s'appelle le bourcaleçon, c'est-à-dire le caleçon islamique avec lequel on nous bassine sur les plages. Les islamistes portent les mêmes shorts que vous, messieurs. On n'a personne qui a cassé des bijouteries parce qu'elles vendent des gourmettes aux messieurs. On n'a pas eu de grève d'ouvriers qui dénoncent la présence de fibres en soie dans leur uniforme. Les obligations vestimentaires pour les hommes en islam, tout le monde s'en fout. Par contre, pour les femmes, on en fait une affaire d'État. Et c'est là qu'on voit que c'est quelque chose qui contrôle le corps et la sexualité des femmes et que ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Freedom is basic. Hoodies.